Avec les beaux mots, ça fait vraiment plaisir. Vous savez qu'on éduque une femme, on éduque une nation entière. Et quand on parle à l'extérieur, c'est une fierté de dire qu'on est tchadien, parce que le Tchad, c'est pas ce qu'ils voient sur les images. Le Tchad, c'est plus que ça. Le Tchad a une histoire. Le Tchad, elle est si beau. Et je dis aussi à la jeunesse tchadienne que chacun est capable. Si moi, je peux le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et plus, on attend pour demain, l'avenir de demain, on a besoin de travailler tous ensemble pour un pays en paix, un pays stable et un pays émergent. Et je demande à tout le monde, et aussi je veux premièrement remercier tout le monde, ça me fait vraiment plaisir, c'est un honneur. Surtout à mes parents, parce que si ce n'est pas eux, je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Et à chaque parent qui part à l'extérieur pour nourrir leurs enfants et essayer d'éduquer les enfants, que Dieu vous bénisse. Parce que si ce n'était pas pour vous, on ne va pas être où on est aujourd'hui. Et pour finir, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse vous et le sentiment. C'est un sentiment vraiment de joie, hein, de satisfaction, hein, que notre fille, hein, qu'elle dépasse les frontières au niveau mondial. Pour être primé, hein, premier prix international pour la question du changement climatique. Vraiment, c'est un grand événement pour nous. Nous lui disons félicitations, nous disons merci aux parents, nous disons aussi merci aux autorités de notre pays qui ont vraiment suscité, hein, tout le soutien pour que les femmes émergent, les femmes se scolarisent et que les femmes aient la chance d'aller à l'université étudier et qu'elle accède vraiment à des situations pour sauver l'honneur du Tchad. De faire la même chose, de la prendre comme modèle, puis aller casser les verres, vous pouvez faire mieux que les hommes, vous êtes plus nombreuses que les hommes, vous êtes très intelligentes. Vous nous faites honneur, vous faites honneur au pays.